Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier, c'est la galette des rois. Donc, avez-vous acheté la galette, vous, et quel goût avez-vous pris? Êtes-vous plus team frangipane ou team brioche? Voilà, moi, j'aime bien les deux, tant que ça se mange, ça me va très très bien. J'adore tout ce qui est galette des rois, même avec les fruits confits dedans et tout, moi, ça me va. Bref, on n'est pas là pour ça, pour parler de galette des rois et de fèves. Je viens vers vous pour ouvrir du courrier. Donc, j'ai reçu des petits courriers, sûrement pour la bonne année, etc. Donc, je veux ouvrir ça avec vous. Alors, je vais commencer par celui-ci. Voilà, qui me vient de Sylvie, du 74. Alors, c'est parti. Alors, je ne vous montre pas parce que il y a les adresses devant, derrière, etc. Donc, voilà, hop là. Donc voici la jolie petite carte, voilà, comme ceci, où il y a marqué Joyeux Noël 2022 avec un ange dessus. Là, nous avons un petit liseré comme ça, tout à paillettes rouge. Waouh! Et elle se présente comme ceci. Alors je pense que ça s'est décollé et que ça devait faire une petite pochette. Collé dessus. Mince. Voilà. On le remet comme il faut. Et là, quand on ouvre, il y a marqué Bonne année. Alors, je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Voilà. Donc, elle est tout en rouge comme ceci. Elle est vraiment super sympa. Même le ton Bonne année, là, il est très très joli. J'aime beaucoup. Alors, on avait fait le tuto ensemble de cette carte, il me semble. Là, elle a repris un petit ange Christmas Time, qui est très sympa. Et elle a collé des petites fleurs ici en 3D. Et là, nous avons aussi du petit 3D là, sur le côté. Très sympa. Merci beaucoup, Sylvie. Bah écoute, les fêtes de Noël se sont bien passées, toi-même tu sais. J'étais malade, mais sinon ça a été. Alors là, j'ai un petit tag, alors je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, me jetez pas la pierre, celui qui l'a inventé, etc., etc. Donc là, c'est le 1 sur 1, thème Noël. Et là, elle m'a mis ses coordonnées. Donc, je ne vous les lis pas. Et je ne lis pas. Et voilà. Hein. Donc, un petit tag comme ça, sur le même thème, avec le petit ange comme ça, où il y a marqué Christmas Time. Très jolie ta carte, Sylvie. Je te remercie beaucoup. C'est très, très, très gentil à toi. C'est très gentil à toi de penser à moi. Voilà. Merci beaucoup. Très sympa. Ensuite, nous avons un courrier comme ceci qui me vient de Virginie. Donc, Virginie, c'est avec elle que j'ai fait le calendrier de l'Avent. Hop. Alors apparemment elle m'a dit que dedans il y avait une carte aussi pour Elia à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'elle m'a mis? Bon, elle n'a pas pu me mettre qu'une carte. Il y a plein de trucs. Hop là. Alors déjà, ah, tu as utilisé ce que je t'ai envoyé pour le calendrier de l'Avent. Ça, je lui ai envoyé pour le calendrier de l'Avent. Le petit cheval comme ça, c'était de la marque Artemio. Donc, elle a fait une petite carte tag comme ça où il y a marqué Hello. Très sympa d'ailleurs. Je sais pas si c'est toi qui l'as écrit, mais j'aime bien comment c'est écrit. Avec le petit cheval comme ça, derrière, elle a mis un papier à carreaux de Noël. Nous avons des petits strass bleus ici. Et derrière, à son habitude, un petit tag comme ceci avec une petite pochette. Et où elle me marque, je m'éclate avec l'ouverture des calendriers de l'Avent. Elle était toute triste que les calendriers de l'Avent, ça soit fini. Moi aussi d'ailleurs, parce qu'on prend l'habitude d'avoir des petits cadeaux tous les jours et tout. C'est vrai que c'est super sympa. Bon, après, quand c'est fini, voilà, hein, mais bon, c'est le jeu. Mais c'est vrai que voilà quoi, c'est un petit peu. Alors là, nous avons une carte comme ceci où il y a marqué Snow avec des petits. Les petits ours là de chez Action. Et là, je sais pas si je l'ai pris moi cette plaque à embosser. Regardez comment elle est fait. Comment ça fait. Alors je sais pas si. Voilà. Ça vous fait des ronds comme ça. Ça rend bien, je trouve.
Et là, elle a mis trois petits strass en bas, comme ceci. Et derrière, elle m'a marqué bisous de Ginny. Alors, c'est peut-être pas celle-là qu'elle me parlait. Il y en avait une pour Elia. Et là, nous avons une grande carte avec une pochette, comme ceci. Pochette décembre 2022. Et avec un tarot scrap. Donc, voilà. Et là, elle a fait un tarot scrap, joie partagée, Merry Christmas, comme ceci, avec un fond vert, des genres de petits feux d'artifice, comme ça. Et voilà, donc ça c'est pareil, je sais pas si c'est toi qui les as fait, mais c'est bien fait aussi. Alors ça, c'est le tarot scrap, alors c'est ce qu'elle fait souvent, alors c'est ce que je vous disais, c'est des nouveaux trucs qui existent, encore une fois. Moi, je connais pas, donc du coup, voilà. Donc ça, c'est des courriers que j'ai reçus un petit peu, il y a un petit moment que j'avais pas encore ouvert avec la crève et tout ça. Donc je les ouvre un petit peu tard. Mais les autres, je les ai reçus aujourd'hui et hier, je crois. Et elle m'a envoyé une planche d'autocollant de Harry Potter. Là, ça va être bien avec ce qu'elle m'a envoyé Chantal pour le calendrier de l'Avent. Donc on a plein de petits stickers comme ça. Sur le thème de Harry Potter. Ah, il y a les maisons. Ah non, je croyais qu'il y avait les maisons. Là, on a un alphabet. Et voilà. Super sympa. Merci, ma petite blondasse. Cool. On a 250 stickers dedans. On ne dirait pas hein, quand même des fois, mais 250 quand même, il y en a dedans. Donc voilà, des petits autocollants Harry Potter. Merci beaucoup. Alors celle-ci, je l'ai reçue, je crois, hier ou avant-hier. Elle me vient de Mylène du 84. Alors, c'est une enveloppe comme ceci. Et bonne année 2023. Elle a dû faire avec des chutes de papier ou des petites. Alors en plus, je voulais récupérer des trucs de bonne année sur ma table pour pouvoir vous faire une carte avec. Et on a tout rangé, j'ai carrément zappé. Et là, elle a fait tout ça avec de la récup, je pense, ou des chutes, tu me diras en commentaire. Voilà, avec une fleur comme ça. On a des boutons. On a des boutons ici aussi. Là, on a des petits stickers, des petites découpes. Des petits morceaux de papier un petit peu partout et on a quatre demi-perles comme ça et là nous avons marqué bonne année 2023. Elle est sympa ta carte, j'aime bien. Merci beaucoup Mylène, c'est très très gentil pour ton mot. Moi aussi je vous l'ai déjà dit mais je le redis, je vous souhaite une très bonne année et aussi une surtout une bonne santé. Voilà. Moi ça commence mal hein, mais hein, l'espoir fait vivre. Merci beaucoup Mylène pour ta jolie petite carte, c'est bien sympathique. Ça change, ça fait un petit peu patchwork, un peu déjanté quoi la carte, j'aime bien moi. Voilà, merci beaucoup. Et ensuite j'ai une petite carte. Alors la personne qui m'a envoyé, je sais pas, il n'y a pas de nom derrière, ça a l'air d'être dessiné à la main, un petit boubou comme ça, qui est trop trop chou, j'aime beaucoup. Avec genre, à mon avis, c'est un truc, un petit habit marin qu'il a, ce petit boubou là. Et franchement, c'est trop trop chouette. Alors, je ne sais pas qui m'a envoyé cette carte, ce courrier, parce qu'il n'y a pas écrit d'adresse derrière. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Alors ça, par contre, je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment de commencer à ouvrir les courriers, Betty, parce qu'après, bon, après, j'en ai pas des tonnes, mais on va prendre du retard. Et là, vous voyez, Noël, si je les ouvre pour Pâques, à un moment donné, hein, on va faire comme action, on va être en décalé. Alors, par contre, ton enveloppe, tu l'as bien, elle est scotchée, j'arrive pas à l'ouvrir quoi. Je sais pas ce que tu m'as mis comme colle, mais en tout cas, ta colle, elle tient bien. Ou ton scotch double face, je sais pas ce que c'est, mais... Ça tient super bien. Alors... Va-t-on arriver à ouvrir ce courrier? Hein? Allez, hop. Ah ben ça doit être... Eh bien, c'est Virginie, ça.
Je reconnais, ça c'est ce que je lui ai envoyé dans le calendrier de l'Avent. Et donc ça c'est pour Elia, c'est ce qu'elle m'a dit. Et ah ben non, mais donc du coup je pouvais pas les ouvrir avant quand tu m'as dit est-ce que tu as ouvert les courriers? Non, parce que je les ai reçus qu'aujourd'hui, tu vois. Donc je l'ouvre aujourd'hui. Donc re-Virginie, c'est sûr c'est elle, j'ai pas ouvert, mais c'est obligé que ça soit elle. Donc avec 2023, vous voyez, elle a des petits. Mais ça c'est avec ça qu'elle a fait mon calendrier de l'Avent. Ces lettres comme ça, elles sont vraiment chouettes. J'aime beaucoup. Et donc ça, c'est un des papiers que je lui ai offert. Et là, il y a marqué bonne année avec des petites fleurs comme ça. On a des petits strass là, un petit nœud. Et t'as pas fait de photocopie? Si, c'est une photocopie. Oh putain. Je lui ai dit, fais pas de photocopie. Merci, ma petite blondasse. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis aussi. Hein, bonne année aussi à toi. Elle est très sympa, tu vois, la carte finalement. Elle est très très jolie comme ça. Et donc ça, je suppose que c'est une carte, mais pour Elia. Donc elle a fait comme ceci. Donc hop, je laisserai Elia lire son petit mot avec une petite... D'accord, c'est pour ça que tu m'as dit, j'aimerais bien voir sa tête. Avec le Bob Grenouille qu'on m'essaie acheter. Et puis voilà, elle lui avait offert aussi une petite grenouille. D'ailleurs, ta grenouille, elle est avec elle dans le lit, elle dort avec. Elle adore les grenouilles, Elia. Elle en est fan de grenouilles, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que ce Bob Grenouille, elle a acheté. D'ailleurs, ça lui va bien. Et là, nous avons aussi une petite grenouille. Donc là, bon, voilà. Moi, je ne lis pas et je laisserai lire Elia pour sa petite carte de vœux. Merci beaucoup, Virginie. Vous voyez, je savais que c'était elle avant d'ouvrir la carte. Ben, je vous remercie beaucoup, les filles, d'avoir pensé à nous. Hein, voilà, pour vos gentilles cartes, vos gentils mots. Je vous remercie énormément. Je vous re-souhaite encore une bonne année. Hein, ça sera une des dernières, je pense. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.